Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier le bâton qui est proposé par Émile André dans son manuel de boxe et de canne. Un bâton, donc, comme je vous le dis depuis le début par rapport à Émile André, c'est que ça vient de la méthode Lecourt. Alors, je ne vais pas dire que c'est le bâton Lecourt, par contre, parce que au fur et à mesure de mes petites recherches, j'ai des hypothèses qui se sont construites. Hypothèses étayées par des textes du 19e siècle, voire même avant, ou par les travaux de d'autres personnes avant moi, et qui ont compilé un petit peu les informations. Donc, il semblerait que le bâton que l'on trouve dans ce manuel de boxe et de canne, ça n'a rien à voir avec la méthode Sari, le bâton fédéral. Hein, on peut déjà tirer une grosse croix sur la filiation du bâton Sari par rapport au bâton que l'on trouve dans le manuel, tout simplement par la posture des mains, hein, et aussi le but premier qui est dans le maniement du bâton par rapport au jeu Sari qui lui n'est qu'un jeu. On peut aussi noter par rapport à ce qui est décrit comme technique dans ce manuel, les techniques n'ont rien à voir avec celles qu'on peut trouver chez Sari. Là aussi, il y a le bâton Sari, c'est vraiment du bâton, puisqu'on utilise toute la surface, on va dire, de l'objet, alors que dans le bâton que l'on trouve dans ce manuel, on est beaucoup plus proche du maniement d'une espèce d'arme proche d'une épée, en fait. Et c'est là où va venir donc les hypothèses. L'hypothèse principale, c'est que le bâton que l'on trouve dans ce livre s'appelle le bâton d'arme, qui lui-même est une espèce de déviation de cousin dans le fond et dans la forme, cousin du maniement de l'espadon à deux mains médiéval. Mais ça va être très compliqué de pouvoir prouver ça. Ça restera pour le moment dans cette vidéo qu'une simple hypothèse. Néanmoins, je me permettrai de faire quelques petites expériences et que je vais filmer, donc vous verrez dans cette vidéo. Mais avant de partir dans ces divagations intellectuelles, je vais déjà vous lire ce que dit Émile André sur le sujet. Maniement du bâton à deux mains. Le bâton à deux mains, ou simplement le bâton, est en somme une canne plus longue que la canne ordinaire, et se maniant à deux mains, soit à cause de la longueur, environ 1,50 m, soit en raison du poids de l'arme. Le bâton, outre qu'il atteint de plus loin, peut avoir, par sa dimension même, un effet moral sur l'adversaire ou sur les adversaires. Mais cette arme est d'un emploi moins fréquent que celui de la canne, et, comme d'ailleurs beaucoup de règles sont communes à la canne ou au bâton, nous parlerons assez brièvement de ce dernier. On saisit le bâton par le gros bout, et l'on place la main droite en avant, la main gauche est à côté d'elle, et près de l'extrémité du bâton. Le pouce de la main droite est séparé des autres doigts et placé sur le bâton au lieu d'être au-dessus des autres doigts. Toutefois, cette position du pouce a moins d'importance qu'à la canne. Quant à la main gauche, on tient le pouce sur les autres doigts. La main droite dirige les coups, la main gauche est simplement son auxiliaire et doit la seconder avec souplesse. Pour acquérir cette souplesse, il est utile d'avoir fait de la canne de la main gauche. On revient sur le fait d'être ambidextre, ça je le dis depuis le début. Dans la garde du bâton, on présente comme à la canne le côté droit, à moins d'être gaucher, et l'on tient les bras ployés. Ajoutons cependant que l'on enseigne aussi, notamment dans la méthode de Joinville, à faire du bâton en garde à gauche comme en garde à droite. Et là, ça soulève un point très intéressant qui montre que le bâton que l'on trouve dans ce livre n'est pas celui de la méthode de Joinville. Autrement dit, il y a bien au moins deux méthodes de bâton différentes, celle-ci et celle que l'on trouve à l'armée avec Joinville. Et ça rejoint les recherches qu'on a pu faire avec Superfab sur ce sujet. Tout simplement parce que nous pensons que le bâton de Joinville est un descendant direct du maniement du bâton à deux bouts, donc deux bouts ferrés, et que l'on retrouve aussi notamment dans le manuel de Pache, et qui correspond vraiment beaucoup à la méthode que l'on trouve chez Joinville. Et tandis qu'ici, nous sommes face à un autre bâton. Alors au début, moi je l'appelais le bâton civil, parce que je voyais pas ailleurs. Et en fait, c'est quand par rapport aux autres épisodes que vous avez pu voir, si vous ne les avez pas vus, allez-y de ce pas. Eh bien, dans les autres épisodes, notamment sur l'étude du texte
le maître de chaussons par Théophile Gautier, eh bien, on y lit que, bah déjà, le cours, il sait manier le bâton, hein, donc voilà, ça on le sait. Et puis surtout que l'on tient que ce bâton est un descendant de l'épée à deux mains. En complément du sujet sur le bâton militaire, je vous mets maintenant une vidéo filmée en 1897. Ce sont donc deux militaires qui s'escriment au bâton, et on peut s'apercevoir que ça n'a strictement rien à voir avec le bâton de Joinville. Alors, ce qui est intéressant à regarder, c'est la façon dont ils jouent du bâton. On peut s'apercevoir que, au niveau de la posture, c'est très loin de ce que l'on peut voir de Joinville, hein, et même des travaux qui ont été faits par moi-même ou par d'autres personnes qui ont étudié sur le maniement de Joinville, on s'aperçoit avec c'est pas similaire. Hein, la posture est beaucoup plus basse, les jambes sont bien plus écartées. On peut voir que c'est un jeu de bâton qui se joue beaucoup de l'avant et qui est assez vif. Hein, les gars, ils font pas de la gymnastique là. Hein, même si c'est un assaut contrôlé, pour pas se faire mal, c'est pas de la gymnastique, c'est pas que du sport, c'est vraiment une confrontation, et c'est vif, ça virevolte, ça va dans tous les sens, ça se joue de l'avant. Alors ça me ferait penser beaucoup, on en avait parlé là aussi avec Superfab, ça me fait penser un peu au bâton le bâton long que faisait Maître Roger Laffont, mais apparemment sur la posture des mains, c'est pas la même. Mais en fait voilà, on est encore là, une troisième forme de maniement du bâton, qui est très vive. Hein. Vraiment, on sent que ça envoie, hein. Je pense que quelques séances à cette vitesse, on doit être bien rincé à la sortie. Et c'est intéressant à voir, mais malheureusement j'ai très peu d'informations sur ce maniement. Peut-être qu'un jour on trouvera quelque chose, on trouvera des propos, des écrits. Est-ce que ça peut ressembler à une forme de bâton d'arme? Et donc, est-ce que pouvait peut-être ressembler... Le maniement du bâton d'arme, je ne sais pas. C'est possible. Je ne sais pas. Je peux vraiment pas vous dire à ce niveau-là. Mais, en tout cas, tenez-vous le pour dit. Dès que je peux avoir plus d'infos, je ferai un plaisir de les partager. Et maintenant, nous allons nous pencher un petit peu sur ce fameux bâton Laffont. Et nous avons une petite vidéo qui date des années 60. Et qui est, ma foi, aussi fort instructive. Ben, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Bien, on peut voir que le jeu, au final, est assez proche de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, dans l'extrait précédent. Sauf que les mains, là, apparemment, sont en pronation. C'est un jeu qui est franchement direct, peu de moulinets, beaucoup de touches directes, si on peut dire. Le jeu de jambes est vif, et on peut voir même qu'il y a certaines similitudes sur la posture. Par rapport à Maître Roger Laffont, je pense qu'il est gravement sous-estimé. Tout simplement parce que, de par sa formation et de par qui il a formé, eh bien, je pense que Roger Laffont est vraiment le dernier représentant de la ligne traditionnelle française. Parce qu'en ayant lu le livre de Superfab au sujet de Roger Laffont, hein, eh bien, on s'aperçoit qu'il est issu d'une lignée de maîtres d'armes et qui remonte au moins jusqu'à Michel Pisseux, en termes de boxe, au moins. Donc il n'est pas étonnant que ce jeu de bâton, pour moi, ne serait finalement serait peut-être issu d'une forme de bâton plus ancienne. Hein. Il a modernisé dans la forme, mais je pense que dans le fond, il a respecté totalement tout l'enseignement qu'il avait reçu avant, et qui est un enseignement qui remonte plusieurs dizaines d'années en avant, voire peut-être même siècle. Donc voilà, ça fait donc une quatrième forme de bâton que l'on pourrait trouver, et qui correspondrait à la tradition française du maniement. On pourrait noter aussi que la posture des mains ressemble un peu à la posture qu'on peut voir dans les gravures sur la demi-épée, mais je ne suis pas certain du fait qu'on puisse... Je pense pas qu'il y ait de lien direct entre le bâton long de Laffont et la demi-épée. Par contre, entre le maniement du parapluie et la demi-épée, il y aurait peut-être des choses à réfléchir et à voir. Parce que Laffont disait que son maniement de parapluie découlait de la baïonnette. Et la baïonnette, c'est quoi? Ben, c'est du jeu de pointe. Hein. On pourrait même dire, c'est presque de l'estoc. Donc, je pense qu'il y aura des choses à creuser sur ce sujet et à formuler des hypothèses et voir si ça tient le coup ou pas. Et pour le coup, je vais vous relire le passage concernant cette liaison entre le bâton d'arme et l'espadon. Donc, on revient sur le texte de Théophile Gautier dans Le Maître de Chaussons. L'assaut commence ordinairement par la canne et le bâton,
La canne se tire à une seule main et le bâton à deux mains, comme les espadons et les estocs du Moyen-Âge. Alors, espadon, c'est ce qu'on a pu découvrir, plus ou moins, c'est que l'espadon est plutôt une arme de taille, on vient chercher à trancher, alors que l'estoc, lui, est une arme purement de pointe. C'est une forme d'épée, en fait. On a trouvé le terme d'épée, de longue épée, en fait. Le terme français serait longue épée. C'est une épée sans tranchant, mais avec une pointe, et elle est de forme, la section de la lame est carrée. On peut pas couper avec cette arme. Par contre, elle est faite pour vraiment passer à travers, poinçonner, un peu, oui, comme, si vous voulez voir un peu mieux, ce serait un peu comme, un carreau d'arbalète percemaille, vous voyez, c'est une pointe très effilée qui permet de passer à travers l'atoll. Donc en fait, l'estoc c'est un jeu de pointe et l'espadon serait plutôt un jeu de taille. Sachant que il y a sûrement des liens entre le fait de la posture de la demi-épée qui permet à un espadon de pouvoir s'user en coup de pointe lorsque c'est nécessaire. Mais l'estoc, lui, c'est sûr, vous ne pouvez pas tailler avec, c'est pas fait pour. Avant de commencer, les maîtres se donnent une poignée de main, puis ils font le salut. Ce salut, où les maîtres exécutent avec leurs cannes des arabesques plus capricieuses que celles décrites par le bâton du fantastique caporal Trim Trim dans le roman humoristique de Tristram Shandy. Donc, pour Théophile Gautier, il y a un lien, et il y a un autre lien à donner par un autre auteur, qui lui, par contre, c'est pas n'importe qui, hein, c'est un général d'armée, hein, général Bardin. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit « L'exercice connu en Bretagne et à Rouen sous le nom de jeu de bâton ou art du bâtonniste est une trace de l'ancien maniement de l'espadon à deux mains, quand on s'en servait à pied. Cette escrime de l'ancien bâton d'arme, vous voyez, les termes sont quand même précis, escrime plus savante qu'on ne le croit et dont les principes sont analogues à ceux que professent les maîtres d'armes, se composent de coups presque tous doubles. Et accompagner chacun de sa parade. Alors le principe du coup double, c'est-à-dire quand on, souvenez-vous de ce qu'on a vu avec l'aribo, c'est qu'on frappe une fois et on fait tourner l'arme au-dessus de sa tête ou à côté pour envoyer deux fois le même coup. Donc c'est-à-dire c'est une arme qui utilise l'inertie pour avoir de l'utilité, pour pouvoir avoir de l'effet. Et bien voilà, le fait que ce soit des coups doubles, on peut, ça laisse à penser que l'arme virevolte. Il faut qu'elle tourne, il faut qu'elle bouge bien pour avoir suffisamment d'impact pour être utile. Leur rapidité est telle qu'un bâtonniste porte ou tire plus de 100 coups à la minute. Alors ça, c'est une expérience à mener, franchement. De l'usage de l'espadon, passé de mode depuis longtemps, il reste demi-espadon, etc., etc. Demi-espadon, on reviendra sur le sujet plus tard. Donc revenons à nos moutons. Et que nous dit Émile André sur la suite, hein, maintenant qu'on sait que le bâton de Joinville n'est pas le bâton d'arme, et que le bâton d'arme n'est pas le bâton de Joinville? Eh bien, c'est utile comme exercice, mais au point de vue de l'assaut et surtout du combat réel, il y a intérêt, si l'on est droitier bien entendu, à rester dans la garde indiquée, en garde à droite. Les jambes sont un peu plus décroisées et l'on a un peu plus de garde qu'à la canne pour cause d'équilibre. Voilà. Donc ça c'est... on va dire, c'est l'intro que nous fait Émile André. Il nous en dit pas forcément beaucoup plus sur l'origine de ce maniement de bâton. C'est dommage. Il est fort probable qu'il le sache, mais qu'il n'y a, pour lui, il n'y voyait pas l'intérêt d'en parler, ce qui est fort dommage. Par contre, j'ai trouvé d'autres infos assez sympathiques dans un autre bouquin qui est très spécifique, on peut trouver sur Gallica, qui parle du bâton sous toutes les coutures, que ce soit du côté spirituel, militaire, social, représentant de l'ordre, et tout ça, et j'ai trouvé un article assez sympa que je m'en vais vous lire de suite. La source s'appelle « Histoire philosophique et anecdotique du bâton depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours » par Fernand Michel, François Fortuné, édité à la librairie de la Société des gens de lettres, à Paris, en 1873. Alors, mais qu'est-ce qu'on lit dans chapitre 9 ? L'art du bâton. Je vous lis un petit peu ça. Je me souviens d'une salle d'armes du quartier latin, très fréquentée en 1840, mais on ne sait pas combien, où l'art de manier le bâton était particulièrement enseigné. Nous étions là une douzaine d'étudiants, presque passionnés pour ce genre d'escrime. Nos maîtres... D'ailleurs, c'est amusant de voir que c'est une escrime au bâton. Hein. Une de plus. Notre maître d'armes s'appelait Gousset.
Alors Gousset, c'est un nom qu'on retrouve dans le traité écrit par l'élève inconnu de Michel Pisseux, et qui parle de Gousset comme étant un homme particulièrement compétent dans son domaine, et c'est ce que nous allons découvrir un peu plus. C'était un homme d'une force prodigieuse, irascible, en diable, très redouté de ses pareils, mais au demeurant bon enfant et très expansif, surtout quand nous lui payons à boire. « Messieurs, nous disait-il souvent, sachez vous servir du bâton à une ou à deux mains, et ça c'est intéressant à savoir. Avec cela, je réponds de vous. Dans quelque situation que vous vous trouviez, et quel que soit le nombre des ennemis, vous repousserez victorieusement leurs attaques avec cette arme à la main. Tenez, ajoutait-il quelquefois en faisant pirouetter son bâton, avec ce moulinet je ferai reculer une escouade de sergents de ville. » Gousset avait le fanatisme du bâton. L'escrime au bâton, nous disait-il, développe le corps plus que tout autre exercice. C'est le meilleur moyen pour acquérir la force et la souplesse. Après 6 mois de ce remède salutaire, on est assuré contre les affections de poitrine. Les aphorismes de Gousset à ce sujet me reviennent à la mémoire. La science du bâton est la science de la vie. Visez au flanc, mais frappez à la tête. Méfiez-vous de vos yeux, qu'on ne devine jamais où vous voulez frapper. L'homme ne fait son chemin et n'arrive que par l'audace. Soyez fort au bâton et vous serez audacieux. Ayez confiance en votre bâton et vous aurez confiance en vous-même. Savoir se faire craindre vaut mieux que savoir se faire aimer, et rien n'inspire la crainte comme un bon et solide gourdin. Il faut savoir donner des coups de bâton et des poignées de main. Ces aphorismes de Gousset sur l'art et la morale du bâton semblent avoir été mis en pratique notamment par une société célèbre créée en 1850 et que le public baptisa du nom de Décembraillard. Formidable était l'organisation de cette société, dit Ernest Hamel dans sa patriotique Histoire du Second Empire. Alors en fait, les Décembraillards, c'était des soutiens de Napoléon III, et quelquefois, ils ont eu tendance à bastonner un petit peu les gens qui n'étaient pas d'accord pour crier « Vive l'Empereur !». Ces membres étaient armés de longs bâtons ferrés dont ils se servaient pour frapper ceux qui refusaient de s'associer à leur enthousiasme. Voilà. C'est une pratique que celle-ci. Du temps du bâtonniste Gousset, on ne donnait pas plus de 40 à 50 coups en 30 secondes, ce qui est déjà pas mal. Nos bâtonnistes d'aujourd'hui peuvent en donner de 70 à 80. Ah ben même les frères Lecourt, ils arrivent à donner 100 coups par minute. Imaginez! Un pareil progrès dans l'art de donner des coups de bâton me rend rêveur, pensez donc. Voilà un petit peu ce que j'ai pu lire à propos de Gousset, qui devait être quand même un sacré fort caractère, et qui est un contemporain de Michel Dipisseux. Michel Dipisseux, qui était le maître de Hubert et Charles Lecourt, de mémoire, hein, si je me souviens bien. Alors maintenant, je me dirige vers un site internet qui s'appelle le Centre de Recherche sur la Canne et le Bâton, et je vais plus particulièrement sur un article écrit le 16 septembre 2014, où ben, ils reprennent en fait les propos de Bardin, hein, à propos du bâton. Le bâton d'arme, c'est une sorte de bâton dont on se servait au Moyen-Âge quand on combattait avec la harasse. C'était l'arme des roturiers quand ils étaient partis actifs dans un combat de jugement. Alors la source, c'est le Dictionnaire de l'armée de terre ou Recherche historique sur l'art et les usages militaires des anciens et des modernes, édité en 1851, page 699. On y apprend aussi que Philippe Auguste, par un mandement de 1205, avait fixé à 3 pieds la longueur du bâton d'arme. En général, cette longueur répondait à la distance entre la terre et l'aisselle du bâtonniste. Le jeu de cette arme, analogue au cours de l'espadon, est professé encore de nos jours à Rouen. Ouais, une fois de plus, hein, il y a des liens entre le bâton d'arme et l'espadon. Alors, l'article précise qu'il faut signaler le rapprochement entre le maniement du bâton et celui de l'espadon, lourd d'épée qui se manie à deux mains. On notera aussi la pratique du bâton d'arme à Rouen au 19e siècle, on a déjà entendu parler de ces gens-là, déjà signalé dans l'article bâton et fléau défensif à propos du bâton à debout. Ce dernier semble souvent synonyme du bâton d'arme, mais il est pourtant décrit comme plus long et pourvu de pointes de fer à ses extrémités. Et effectivement, alors j'ai vu d'autres occurrences où apparemment le bâton à debout se retrouve beaucoup en Bretagne. Et Superfab, ouais, comme toujours, ben on attend la publication de ses travaux, hein, n'est-ce pas, Superfab? Il va falloir quand même, parce qu'il a fait vraiment de bonnes grosses recherches dessus, on a eu de grosses discussions, et ce qu'il a trouvé est très intéressant. Voilà, le problème, c'est qu'il faut attendre qu'il publie.
L'auteur de l'entrée ci-dessus semble avoir associé des objets qui étaient peut-être différents tant par leur usage que par leur dimension, et c'est en confrontant ces diverses citations que l'on peut mieux se représenter quelles étaient ces sortes de bâtons. Donc l'auteur de cet article s'appelle Laurent Bastard, donc ben merci à lui. Alors, en note de l'article, il y a écrit « Concernant le fait que Philippe Auguste, par un mandement de 1205, avait fixé à 3 pieds la longueur du bâton d'arme, en général cette longueur répondait à la distance entre la terre et l'aisselle du bâtonniste. Il faut ajouter que cette longueur est toujours d'actualité en 2014 dans la pratique du bâton français. » Alors par rapport au fait de dire que c'est le bâton français, bon ben moi je suis un peu dubitatif, je suis pas tout à fait d'accord, même si dans les faits effectivement Maurice Sarry est français et qu'il a créé son bâton en France, eh ben j'ai trouvé quand même en farfouillant, ben j'ai trouvé un maniement de bâton qui s'appelle le Silambam, qui se situe dans le sud de l'Inde. C'est quand même étonnant parce que la façon de le manier est très très proche de la façon de la méthode Sarry. Alors, autant la méthode Sarry n'a rien à voir avec les méthodes que l'on peut trouver sur le maniement du bâton avant lui en France. Donc effectivement c'est tout à fait original. Par contre ça l'est pas du tout en Inde. Et moi je me poserais quand même la question de savoir si Maurice Sarry n'aurait pas fait une petite mystification en... C'est une hypothèse hein. Mais en disant, parce qu'il a créé son bâton dans les années 70, hein, 60-70. Est-ce qu'il aurait pas voulu créer, il aurait peut-être trouvé la méthode intéressante, il a peut-être découverte, il a vu ce type de maniement avec les mains en pronation, et il l'a ramené en France, en la justifiant de façon vraiment, c'est très obscure, se disant qu'on trouve des gravures sur le fait qu'on peut tenir les épées à deux mains aussi en pronation. On voit une gravure ou deux, enfin c'est quelque chose, c'est hyper anecdotique, ça fait pas partie de vraiment... Faire des moulinets avec les mains en pronation, on le trouve pas. Moi je l'ai pas trouvé, au moins en France, quoi. J'ai pas trouvé de maniement qui correspondait à quelque chose qui ressemblait à ça, quoi. C'est pas flagrant. Par contre, le Silambam, eux, ils font que ça. Donc moi, je commence à me poser la question de savoir si Monsieur Sarry n'a pas importé une méthode d'Inde du Sud, hein, de Sud indienne, en disant que ben c'est lui qui l'avait inventé, tout simplement parce qu'en France, on connaît très très peu l'Inde. Hein, moi, personnellement, j'y connais pas grand-chose, effectivement. Et les gens qui sont autour de moi, très peu connaissent aussi. Puis l'Inde, c'est tellement grand, il y a quand même 1 milliard de personnes, donc ça en laisse des choix de méthode de bâton. Et moi j'aimais l'hypothèse quand même que nous ne sommes pas face à une véritable création d'un jeu de bâton, mais plutôt l'importation d'une méthode. Alors bon, la méthode en soi, moi j'ai rien contre, hein, mais de dire que c'est du bâton français, pour moi ça me gêne énormément. Je pense que c'est faux de dire ça. C'est pas du bâton français, c'est une... Parce que ça ne correspond pas à la vision traditionnelle que l'on trouve du maniement du bâton en France. Et du coup, moi ça me gêne de dire ça, et ça me gêne de le lire. Et vous pouvez voir hein, donc les vidéos que je vous ai mis, au début quand j'ai commencé, effectivement, je faisais du bâton Sarry parce que je savais pas qu'il existait autre chose. Et puis on m'avait dit que c'était comme ça et pas autrement, fédéral. Et puis effectivement, à partir du moment où j'ai découvert le bâton de Joinville et que j'ai commencé mes recherches, je me suis aperçu que le bâton Sarry, pour moi ça n'a pas lieu d'être. Et en même temps, je vous mets donc des petits extraits de vidéos que j'ai pu trouver sur YouTube. Vous tapez Silambam, les vidéos ne manquent pas. Alors il y en a, certaines fois on le voit avec les mains en saisie, on va dire normale, et puis il y en a beaucoup d'autres avec saisie en pronation, et on s'aperçoit que la dynamique est vraiment très proche de celle du bâton Sarry. Voilà ce que je pense du sujet. Par convention, cette distance terre-aisselle est fixée à 1,40 m. Alors que le bâton d'arme, lui, fait 150 cm. On peut en dire ce que l'on veut, mais la taille, ça compte. Il est extrêmement étonnant de constater que cette codification est toujours d'actualité après plus de 800 ans. Pour moi, je vois pas de lien direct. Pour moi, c'est... Une canne fait entre 90 et 1 mètre, et oui, à partir d'un mètre 20, c'est un gros, c'est un bâton, quoi. Pour moi, je fais pas le lien direct. Je pense pas que Maurice Sarry pensait au fait, pensez-vous que Philippe Auguste a eu la même idée que moi que d'avoir un bâton de 140 cm? Non, je n'y crois pas du tout.
Le bâton français tel qu'il est pratiqué dans les écoles de cannes de combat et bâton de nos jours, même si sa vocation est désormais tournée vers le sport, revêt un caractère patrimonial remarquable. Alors ça c'est faux. C'est... Non. C'est tellement massacré au niveau technique et au niveau de la philosophie de l'emploi que c'est... Non, il n'y a pas... Il y a une cassure. Franchement, la canne de combat actuelle, visée purement sportive, n'a que le nom en commun avec la canne qui se pratique au 19e. Voilà, et le bâton, c'est pareil. Désolé, mais là, je serais quand même assez intransigeant sur ce genre de truc. Ça n'enlève rien au fait que la pratique est honorable et qu'elle vaut le coup d'être faite, mais il ne faut pas dire ce qui n'est pas forcément vrai. Il y a que le nom qui se ressemble, mais après, je veux dire au niveau de l'emploi, à partir du moment où la vocation n'est plus la même, ben c'est plus la même chose, quoi. Il suffit de lire à chaque fois qu'on regarde les descriptions qu'il peut y avoir sur la canne de combat, le bâton, le but c'est de pas faire mal, alors que c'est clairement l'inverse à l'époque au 19e siècle. Le but c'est de la défense, c'est littéralement c'est gagner pour survivre. Là on n'en est plus là. Donc voilà, moi je m'oppose en faux, je sais qu'il y en a qui vont pas aimer, ben c'est pas grave. Il faut bien avoir des avis différents, sinon on s'ennuierait. Il y a un autre article sur le même site qui s'appelle il est édité le 28 juillet 2010, donc un peu plus vieux encore. L'espadon à l'origine du bâton d'arme. Je m'en vais vous le lire de suite. Le dictionnaire de la conversation et de la lecture, tome 25 de 1836, donne d'intéressants commentaires à l'entrée espadon. Il rappelle que le mot vient de l'italien spadone, qui désigne une grosse épée maniée à deux mains ou épée d'arme. Déjà sous Philippe le Bel, les épées à deux mains étaient connues. C'était des armes d'estoc. Donc là, on revient à la description qu'on a eue tout à l'heure. À la longue lame pointue avec une garde poignée ayant au lieu du pommeau un pivot, qui entrait dans une virole du plastron de la cuirasse de fer plein. Ces épées étaient des sortes de lances courtes. Il existait aussi un autre genre d'épée à deux mains ou épée de rempart, à lame à deux tranchants, arme de taille. Il y avait aussi la colimarde et la flamberge. L'espadon est encore porté par les gardes suisses à Rome, précise ce dictionnaire de 1836. Lequel poursuit avec le bâton en lui donnant une origine locale, ou du moins en signalant sa pratique particulièrement dans certaines régions. Et là, vous allez voir, l'exercice connu en Bretagne est à Rouen sous le nom de jeu de bâton ou art du bâtonniste, et à Paris sous le nom de jeu de canne. C'est une trace de l'ancien maniement de l'espadon à deux mains quand on s'en servait à pied. Cette escrime de l'ancien bâton d'armes, escrime plus savante qu'on ne le croit et dont les principes sont analogues à ceux que professent les maîtres d'armes, se compose de coups presque tous doubles, accompagnés chacun de sa parade, leur rapidité telle qu'un bâtonniste porte ou tire plus de 100 coups à minute. Vous voyez, bon, on retrouve toujours les mêmes choses. Ce qui est quand même, au bout d'un moment, on peut penser que c'est vrai. J'ai du mal à croire que tout s'affabule, ou alors le premier qui a affabulé et tous les autres ont suivi sans chercher à voir la vérité. Ce serait quand même dommage. Voilà qui est à mettre en relation avec les propos du compagnon vitrier Jacques Ménétra, dit parisien le bienvenu. Dans son journal de ma vie, rédigé à la fin du XVIIIe siècle, il rapporte qu'étant à Carpentras vers 1760, tous les compagnons, nous avions une passion démesurée pour apprendre l'espadon et savoir bien manier la canne. À Tours, j'avais reçu quelques leçons et nous faisions chez la mère, à Sceaux, et je leur démontrais, et cela faisait boire, ce qui ne déplaisait nullement à la mère. Si on apprenait à manier l'espadon et la canne, c'est que le maniement des deux armes était conjointement enseigné à cette époque. Article, lui aussi, rédigé par Laurent Bastard. Donc je vous mettrai en description de la vidéo les liens qui correspondent aux articles et aux sources, vous pourrez les voir directement. Donc maintenant que nous avons vu un petit peu l'aspect, on va dire, littéraire de tout ça, nous allons passer à la pratique. Et vous allez vous apercevoir qu'en fait, il suffit de... Le chapitre dédié au bâton est assez court au final, tout simplement parce qu'il suffit de reprendre les enseignements de canne et de les appliquer au bâton. Mais on va quand même voir ça un petit peu plus, et après nous verrons un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on peut faire comme analogie entre ce qui pourrait être un espadon à deux mains et ce fameux maniement du bâton d'arbre. Marche en avant et en arrière, développement. Les principes sont les mêmes qu'à la canne pour la marche en avant et en arrière, et pour la longe, ou plutôt la demi-allonge.
Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, pour essayer de raccourcir un petit peu la vidéo, qui est quand même un peu longue, hein, c'est assez rare. Je vais vous mettre donc d'abord les exercices au bâton, et ensuite je fais une transposition avec un espadon. Donc j'ai une épée longue à la maison, et donc ben, c'est ce qui servira, ça me servira d'espadon. Et là, j'en entends déjà qui vont me dire « Oui, mais... » C'est pas possible, y a rien qui prouve, tu peux pas faire ça. Bon, déjà, je fais ce que je veux, je suis sur ma chaîne. Alors, pour pouvoir faire ce parallèle entre le bâton d'arme et l'espadon, bon, vous avez pu voir un peu sur quoi je base mes premières hypothèses. Et puis, je me base sur deux autres sources, qui sont donc l'escrime à travers les âges par Adolphe Corté, sorti en 1898 et préfacé par Henri de Goudourville. Et sur un autre livre qui dispose d'une bibliographie tout juste hallucinante, des références écrites, hein, et pas que françaises, dans plusieurs langues. Et là, ça s'appelle L'escrime et les escrimeurs depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, esquisse du développement et de la bibliographie de l'art de l'escrime pendant cette période. Et là, c'est un livre qui a été écrit par Egerton, Castle Egerton, et sorti en 1888. Donc le bouquin de Corté lui sort 10 ans plus tard, vu qu'il connaît... À mon avis, il a lu le bouquin qui est sorti 10 ans plus tôt, à mon avis. Hein. En tout cas, on sait que les sources et les traités du Moyen-Âge, tout ça existe. Hein. Et quand on feuillette un petit peu le livre de Corté, et il nous dit, par rapport à l'épée à deux mains, la position normale est à peu près celle du grand bâton actuel, c'est-à-dire le pied droit en avant, la poignée de l'arme près de la hanche, la main gauche touchant le pommeau, comme la main gauche est au bout du bâton, du gros bout du bâton, hein, et la main droite rapprochée des hanches, et la pointe de l'arme à la hauteur de l'œil. Et après, bon, il donne des petits détails, mais il y a vraiment énormément de similitudes qu'on pourrait dire. Donc, ben moi, mon hypothèse, voilà, par rapport à cet épisode, c'est que le bâton d'arme présent dans le livre de Lecourt, c'est une survivance de l'espadon. Et je vais essayer de montrer un peu en quoi ben, ça peut passer de l'un à l'autre. Et aussi mes impressions que j'ai données vis-à-vis de tout ça. Pour savoir si on pourrait, par remontage un petit peu, essayer de voir comment on pourrait s'amuser à l'espadon français sans avoir forcément à aller taper dans les sources allemandes, italiennes ou espagnoles. Donc du coup, déjà j'ai commencé à faire une petite mise en garde à l'épée, hein, ça se passe très très bien. Pas de gêne particulière, la posture des jambes va très bien aussi. Les déplacements, ça s'adapte. Donc j'ai essayé de garder un peu aussi l'idée que le pouce est séparé par rapport aux autres doigts. Hein, et effectivement, ça passe aussi. Y a rien. Par rapport au tout basique, quoi, ça se passe bien. Donc, après, Émile André nous parle du coup de boue. Les coups de boue, correspondant aux coups de pointe, sont encore plus rares au bâton qu'à la canne, surtout entre adversaires exercés. Alors, ça peut s'expliquer, hein, tout simplement, parce que pourquoi le coup de boue est peu usité à la canne ou au bâton, alors peut-être un peu plus à la canne si elle est ferrée, pointue, mais quoi qu'un bâton, le boue est pas pointu. Donc, on va dire que l'utilité s'amoindrit de façon assez significative, tout simplement parce que ça percera pas les vêtements, et ça percera pas la peau, et ça passera pas à travers. Donc du coup, aucune utilité. Donc la pratique change. Et on retrouve ce principe même avec la boxe française. À partir du moment où vous faites de la boxe française avec des chaussures molles, il y a des techniques qui vous servent plus, parce que ça, non seulement vous vous faites mal en les faisant, mais elles font pas mal quand vous les faites. Donc, alors que si vous avez des chaussures dures, avec du cuir bouilli, des semelles costauds, là la technique elle marche, parce que la technique a été faite en fonction de la chaussure, et pas en fonction du fait d'avoir une chaussure molle, ou une chausson mou, ou une espadrille, ou même d'être pieds nus. C'est pour ça que la BF, pieds nus, ne peut pas se faire. C'est un non-sens, parce que c'est pas fait pour. Bref. Continuons.
Ils sont moins bien dirigeables qu'à la canne, et d'autre part, les adversaires sont plus naturellement garantis contre les coups de figure au bâton qu'à la canne. Cependant, citons dès maintenant l'emploi à l'occasion de la riposte par coup de boue à la figure après la parade de cartes. Quant à la riposte par coup de boue au corps, comme on est déjà ébranlé par la parade au bâton, elle n'arriverait pas avec assez de force, à moins de reprendre de l'élan, ce qui retarderait trop. Ajoutons que la menace du coup de boue à la figure peut servir soit comme feinte, soit simplement comme moyen de tenir l'adversaire à distance. Coup de bâton, proprement dit, ou simplement, par abréviation, coup de bâton. Ce sont le coup de tête, le coup de figure à droite, le coup de figure à gauche, les coupés, les coups de flanc, à droite ou à gauche, les coups de jambe, à droite et à gauche. À cette liste, on ne peut guère ajouter, comme à la canne, le coup de manchette ni les enlever. C'est que, au bâton, le coup de manchette ne se fait guère de la façon spéciale indiquée à la canne, pour cette double raison que le mouvement serait moins facile et que les avant-bras seraient tenus plus près du corps dans la garde du bâton. Mieux vaut remplacer le coup de manchette par un coupé, comme coup sur l'avant-bras. Quant aux enlevés, il ne serait pas assez efficace au bâton, à moins d'atteindre les parties. L'enlevé est fait de droite à gauche, la main droite tenue les ongles en dessus à l'achèvement du coup serait préférable à l'enlever de gauche à droite recommandé à la canne. Mais celui-là même ne serait guère efficace, à moins d'atteindre les parties. Les parades. Au bâton, les parades sont la prime haute, la prime, la seconde, la tierce, la quarte, parfois la quarte haute, et des parades volantes, en forme de moulinet pour parer les coups de flanc et les coups de jambe. Le coup de flanc à gauche est appelé aussi coup de ventre. Parades volantes. Ces parades en forme de moulinet sont même des parades ripostes, tellement la riposte est liée au mouvement de la parade. Par exemple, sur un coup de jambe à gauche, il faut, en partant de la position de la garde, baisser vivement l'extrémité du bâton en arrière à gauche et, lui faisant décrire un cercle par un mouvement souple du poignet droit, la main gauche, toujours près de la main droite, asséner un coup sur la tête de l'adversaire. Lorsque l'on baisse le bâton, en début du mouvement, la main droite est tenue les ongles en dessous, et à la fin du mouvement, elle est dans une position moyenne. Sur un coup de jambe à droite, il faut, en partant de la position de la garde, baisser vivement l'extrémité du bâton en arrière à droite, et en lui faisant décrire un cercle par le mouvement souple des poignets, asséner un coup sur la tête de l'adversaire. Lorsque l'on baisse le bâton au début du mouvement, la main droite est placée les ongles en dessus, et à la fin du mouvement, elle est en position moyenne. Les ripostes. Même riposte en général comme coup de bâton que comme coup de canne, après les parades indiquées et sous réserve de ce que nous avons dit au sujet des coups de manchette et des enlevés. Comme riposte par coup de boue, la différence de la canne ou la riposte en tierce est plus pratique. Ce sera plutôt en carte après parade de carte que l'on pourra tenter au bâton le coup de boue à la figure comme nous l'avons dit.
Les observations déjà faites à la canne au sujet des doublés, des coups d'arrêt, des ripostes par coup composés, de la voltige sont également à faire pour le maniement du bâton à deux mains. Les leçons de bâton commencent par l'étude de la mise en garde, de la marche en avant et en arrière, et se continuent par des exercices dans le vide. Ces exercices dans le vide comprennent des études de mouliner, d'enlever, de couper ou briser, des mouvements de coups de figure à droite et à gauche. Puis le professeur, se mettant en face de l'élève, lui fait exécuter successivement des attaques simples, des parades, des ripostes simples, puis des attaques composées, des parades, des ripostes simples et des ripostes composées. Chaque coup est exécuté plusieurs fois de rang. Le professeur commande, par exemple, parer la tête par la prime haute et riposter à la tête ou à la figure à gauche ou au ventre ou à la jambe à gauche. Parer la figure à droite par la tierce et riposter à la tête. Parer la figure à droite par la tierce et riposter à la figure à gauche. Parer la figure à droite par la tierce et riposter au ventre. Parer la figure à gauche par la carte et riposter à la figure à droite. Parer la figure à gauche par la carte et riposter au flanc ou à la jambe à droite. Parer le ventre par une parade volante en ripostant à la tête. Parer le flanc à droite par une parade volante en ripostant à la tête. On passe ensuite aux exercices d'attaque composés comprenant une seule feinte, puis deux feintes. En garde. Feinte à la figure à droite et coup de figure à gauche. Feinte à la figure à droite et coup de ventre. Feinte à la tête et coup de ventre ou coup de flanc. Feinte au ventre et coup de tête. Feinte au flanc et coup de tête. Feinte à la figure à droite, à la figure à gauche et coup de figure à droite ou coup de flanc. Feinte à la tête et au ventre ou au flanc et coup de tête. Feinte au flanc et à la tête et coup de ventre. Feinte d'enlever à l'avant-bras, feinte de coup de tête et coup de ventre. Le professeur fait ensuite parer les attaques composées que l'on vient d'exécuter. Il attaque à son tour et commande, par exemple, parer la figure à droite, la figure à gauche et riposter par le coup de figure à droite. Ou bien, parer la tête, le ventre et la tête et riposter à la tête. Après avoir fait exécuter des ripostes simples, il commande des ripostes composées comme celle-ci. Parer la figure par la carte et riposter par la feinte du coup de bout à la figure et le coup de ventre ou le coup de flanc. Parer la figure par la tierce, riposter par la feinte du coup de bout à la figure et le coup de flanc ou le coup de ventre ou un coup de jambe.
Le professeur exerce ensuite l'élève à faire des mêmes coups en contre-riposte et à exécuter des coups d'arrêt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du chapitre sur le bâton, où vous avez pu voir, donc, j'ai pu mettre en parallèle les mouvements au bâton et les mouvements à l'épée longue ou à l'espadon. Et bon, ben, dans l'absolu, hein, je peux vous dire, ça se passe plutôt bien. Hein. J'ai pas eu de problèmes biomécaniques ou de problèmes techniques majeurs. Hein. Bon, bien sûr, ce sont des gestes très simples pour le moment, ce sont des gestes faciles. Il faudrait expérimenter encore et encore en utilisant tout ce que l'on peut savoir sur le bâton d'arme. Il est à noter que dans le traité de Charlemont, le bâton dont il parle est lui aussi issu de la canne et il se manie à peu près de la même façon. Donc il semblerait que le maniement du bâton que l'on trouve chez Charlemont serait aussi une forme de bâton d'arme. En conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire de tout ça? Eh bien, effectivement, il n'y a pas qu'une seule façon de faire du bâton au 19e siècle, hein. Il n'y a pas que le bâton de Joinville. Il y en a au moins deux, voire trois, et peut-être quatre. Et on peut aussi s'apercevoir que ce qu'on appelle le bâton fédéral actuel, lui, ne repose quasiment sur rien, hormis d'avoir le même nom. Donc, la seule chose que je pourrais dire en prêchant pour ma paroisse, ce serait de dire, oui, pratiquer le bâton fédéral, si vous aimez le pratiquer, mais essayez-vous au bâton d'arme, essayez-le, au moins de voir qu'est-ce que vous en pensez, et aussi, tâchons de ressusciter un petit peu, autant que possible, des pratiques qui ne sont ni oubliées, ni perdues au 19e siècle, mais qui l'ont été, par contre, durant le 20e siècle, pour les raisons que l'on connaît, et ces raisons sont principalement la Première Guerre mondiale, hein. Puis la deuxième, et aussi une volonté commune d'oublier son arme, ses traditions martiales en France, chose que je ne m'explique pas. Et apparemment, c'est vraiment flagrant à partir des années, du début des années 70. Se pourrait-il qu'il y ait eu un mouvement de société, de reniement de ce qu'était, on va dire, la tradition en France, une espèce de... Oui, fort probable que les mouvements sociaux qu'il y a eu dans les années 68 et les nouveaux courants de pensée qui sont apparus en voulant renier un peu ce que nous sommes, hein, en termes de notre histoire, hein, c'est quand même un peuple un peu bagarreur. Et se pourrait-il que, ben voilà, des nouvelles mentalités apparaissant, chassent les anciennes, et puis on se retrouve en fait à devoir après aller chercher ailleurs, dans d'autres traditions et dans d'autres cultures, ce que nous avons préféré oublier volontairement ou involontairement, ce qui est fort dommage dans tous les cas. Donc moi, le mot de la fin, ce sera, maintenant que l'on sait qu'il y a un bâton d'arme et qu'on a au moins la base des gestes, il faut s'y essayer, il faut essayer de relancer cette pratique que je trouve assez intéressante, et de par cette pratique peut-être pouvoir remonter au maniement de l'espadon français qui n'est pas non plus oublié. Je pense qu'il y a des choses à faire. Alors effectivement, on ne sera peut-être plus dans une approche AMHE, si je peux dire, arts martiaux historiques. Peut-être que le H, il va falloir considérer qu'on a fait ce qu'on a pu au niveau du H, et bien maintenant il faut partir un petit peu sur le fait de reconstruire, et donc des fois on peut reconstruire, mais quand on n'a pas les plans d'origine, c'est pas forcément évident. Mais à partir de ce que l'on sait déjà, je pense qu'il est possible de pouvoir ressusciter une pratique en respectant les codes et les traditions françaises pour le combat à l'arme blanche, et notamment en suivant les principes du bâton. Cet épisode est désormais terminé, j'espère qu'il vous a plu. Un long métrage, hein, comme je n'ai pas trop l'habitude de le faire, mais il n'y en aura pas souvent, parce que c'est vraiment beaucoup de travail, mais je me suis bien amusé à le faire. Il ne vous reste plus qu'à vous amuser, à vous entraîner, et à la prochaine !